Un EHPAD urbain en entrée de ville, c'est la définition du nouveau site dédié à l'accueil des personnes âgées dépendantes. Administré par le Centre communal d'action sociale, l'établissement a été cofinancé par la ville, le département, l'Agence régionale de santé et la région. Je pense qu'il faut effectivement voir les EHPAD d'une autre façon. C'est un EHPAD qui doit s'ouvrir sur l'extérieur. Parce que c'est un EHPAD urbain. 120 chambres individuelles sur deux niveaux, une cuisine intégrée, tout comme un salon de coiffure, constitue la base d'un site ouvert sur son quartier. Une ouverture vers l'extérieur, la possibilité de venir se restaurer à l'EHPAD pour les personnes de la bâtie ou des personnes qui ont de la famille. D'autres projets aussi, des expositions de peinture, pour que ce soit vraiment un lieu de vie. Et que ça corresponde aux besoins des gens. Alors que les affaires de maltraitance révélées récemment sèment le doute sur la vie en EHPAD, les établissements publics de Limoges jouent la transparence. Je peux vous assurer que nous avons dévoré ce livre en quelques heures parce qu'on voulait vraiment voir ce qu'il y avait dedans. Nous sommes vraiment très contents d'être à très très loin de toutes les révélations scandaleuses qui sont à l'intérieur. Nous n'avons pas honte de nos établissements. C'est remarquablement géré dans l'intérêt des résidents et des familles. Enfin, ce bâtiment est doté d'un système de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques ainsi que d'un équipement de récupération de l'eau de pluie.